Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour du matelot. Donc pour le matelot, il y a différentes recettes. Donc je vous présente cette recette-ci et la fois prochaine, je vous présenterai une autre recette. Donc comme ingrédients, il va nous falloir 450 g de farine, 200 g de semoule extra fine, une cuillère à soupe de miel, 2 cuillères à soupe d'huile, 18 g de levure boulangère ou une cuillère à soupe de levure déshydratée. Une cuillère à café de sel et 350 ml d'eau jusqu'à 400 ml d'eau tiède. Donc tout d'abord, on va mettre notre eau, levure, miel, huile et semoule et on va mélanger le tout. Et ensuite, on va ajouter au fur et à mesure notre farine et le sel. Voici ma pâte une fois pétrie. Vous avez une pâte molle et un peu collante. C'est tout à fait normal. Donc il faut avoir une consistance comme ma pâte. Regardez. Voilà. Donc on va la laisser lever jusqu'à le double de volume. Recouvre nos pains et on les laisse lever environ une trentaine de minutes. Voici mes pains levés et là on va passer à la cuisson. Voici mon tagine que j'ai mis à chauffer 5 minutes avant. Hein. Et là je vais mettre mon matelot surtout à feu doux et on va venir faire un trou au milieu. Voilà. Et on va laisser cuire. Et là je vais retourner mon pain. Voilà, une fois retourné, et là on va laisser cuire. Voici mon matelot une fois cuit. Regardez, il est moelleux, aéré. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous.